Nous félicitons l'État pour la conception et la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain H, tournée prioritairement vers les acteurs de l'économie informelle. La structuration progressive de l'économie informelle à travers le recensement de ces acteurs par secteur d'activité. La réorganisation et le renforcement progressif des structures à forte mobilisation des acteurs de l'économie informelle, chambres d'agriculture, chambres des métiers, chambres du commerce et d'industrie, etc. Encourageons l'État à veiller à une mise en œuvre correcte de l'âge en vue d'une bonne prise en charge des acteurs de l'économie informelle pour toutes les prestations prévues. Prendre en compte les préoccupations majeures de protection sociale des acteurs de l'économie informelle dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales dans tous les secteurs. Invitons l'État à tenir compte de la recommandation 204 dans la formulation de ces différentes politiques de développement. Consulter régulièrement les acteurs de l'économie informelle pour sur les questions les concernant. Recommandons à l'État de mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre de la recommandation 204, incluant les représentants des organisations de la société civile œuvrant dans la thématique. Élaborer un plan d'action assorti d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la recommandation 204. Aux OSC de poursuivre le renforcement des capacités des acteurs sur les normes de l'OIT en lien avec la protection sociale. Faire des propositions concrètes à l'État en vue d'une meilleure prise en compte des acteurs de l'économie informelle par les mécanismes formels. Aux partenaires techniques et financiers. Deux, poursuivre leurs appuis aux OSC pour l'encadrement et l'accompagnement des acteurs de l'économie informelle. Poursuivre leurs appuis techniques et financiers à l'État pour la formulation des politiques et mécanismes qui prennent en compte les acteurs de l'économie informelle.